Mais souvent, c'est des marginaux un peu, tu sais, c'est comme... Nous autres, on ressemble au, un peu comme les Denis ou d'autres mondes. Tu sais, du monde un peu gêné quand ils étaient jeunes. Puis c'était leur manière d'être marginal, là, parce que, tu sais, nous autres, au secondaire, là, on n'était pas la gang de cool qui se tenait avec l'équipe de football, là, tu sais. On était les hosties de Waco, habillés en culotte africaine puis en pyjama, qui faisaient de l'impro dans le café parce qu'on n'avait pas de salle, là, toi, tu sais. C'était nous autres, ça, là. Toi, au secondaire, t'as été 2 ans en Afrique, t'as vécu 2 ans en Afrique. Ça doit expliquer les culottes africaines. Ben, ça, disons que j'avais un bon fournisseur. Là, ah, t'as vécu en Afrique, toi aussi? Mais t'as... Moi aussi. T'étais dans quel coin? Moi, non, c'est parti à gauche. Afrique, t'étais où en Afrique? J'étais en Guinée. C'est au sud du Sénégal. Fait que genre en Afrique de l'Ouest, puis c'est juste mon père, à un moment donné, annonce dans le journal, là, une job... Sur une maison. C'est ça, là. Ben oui. Ben, tu sais... Il a fait dans Chris. Ben quand... Direct du proprio, j'ai sauvé 5%. Je vous avais promis un chalet en estant Rodden puis la Guinée. Le billet d'avion est cher, mais la maison est 100$. Rendu là, ton hypothèque, c'est pas long, là. C'est des versements de 1 cent. Mais ton père s'est trouvé une job en Afrique. Un job. C'est quoi un job là-bas? Comme ingénieur, fait qu'il a travaillé pour une mine de bauxite. Ça, c'est l'affaire qui sert à faire de l'aluminium. Okay. Il y a une espèce de minerai orange. Puis on a su par après, plusieurs années après, que c'était extrêmement toxique, cette affaire-là. Des fois, on se réveillait le matin, puis tout était orange dans la ville à cause de la poussière de l'usine. Ah, ouais. On était comme, ah, c'est cool, hein? Mais finalement, ça ne l'était pas. Ça donne le cancer. C'est beau. C'est cool. C'est poétique. Ton père, est-il correct, la santé? Avec ça, lui, il était pas il est mort depuis longtemps, les poumons. Non, c'est pas vrai. Ah. Yeah. Non. Tu sais, dans le cercueil, tout le monde faisait « Y a-tu mangé des Cheetos avant de mourir? »